Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mario Kart 8 dans Mario Kart 8 Deluxe. Deluxe, qu'est-ce que c'est que ça? Deluxe. Ah purée, il y a toutes les courbes du coup. Regardez le chat, please. Bah, on le regarde, mais on fait ce qu'on peut. Oui, non, mais tu sais, les gens, ils ont 20 secondes de décalage, alors ils vont s'énerver pendant 20 secondes parce que voilà. Bon, t'es prêt? Ouais. Je me rappelle, les gens, ils s'énervaient parce qu'on faisait ça pendant les sessions, on klaxonnait tout le temps. Je sais même plus comment on klaxonne. Il faut appuyer sur la gâchette gauche. Ah, ça me fait plaisir d'entendre des mains de Mimi dans Mario Kart. Ah, et du coup, on a deux machins maintenant, c'est trop bien. Non ! Ah, et ça c'était pas cool par contre. J'ai tout vu. Heureusement que l'IA n'est que... Ah, c'est trop cool, quand je fais un saut, je me transforme en Squid. Enfin, techniquement, je le sais, mais je m'en souvenais plus. Oh non, mais j'ai pas de chance. Jamais. Ah, voilà le deuxième. Désolé, c'est Lémi le deuxième, il t'a battu. Même pas 200 CC, vous me décevez. Bah écoutez, on est encore au début du jeu, donc pour l'instant, on peut pas, quoi. Ah, il y a Peach Chat. Le life, il a dit même. Il a dit même. Mmh. Envoyez-lui des mèmes en privé. Tu vois ça, hein? Oui. L'ennemi principal des viewers sur YouTube, tu sais pas pourquoi. Arrêtez de klaxonner. Arrêtez, ça sert à rien. Hey, comment tu me doubles là? Je suis pas d'accord. Va-t'en. Mais vas-y, on est des calamars inkling. Mais je veux... Va-t'en. Va-t'en. Est-ce que je roule plus vite que toi? Bah c'est possible, j'ai pris des roues nulles. Bah oui, bah si tu prends des trucs mais nuls... Mais c'était joli. Mais va-t'en. Tu veux une carapace dans ta tête? Bah oui, regarde. Oh, pauvre de toi. Bah faudrait savoir, hein. Oui bah, en tant que... On est de la même team, on est orange toutes les deux. Oui bah alors dans ce cas-là, pourquoi tu t'énerves? C'est pas normal, c'est pas les guides, madame. Tu sais d'ailleurs, est-ce qu'il y a, quelques... il y a des problèmes là au niveau de la capture? J'en sais rien, je regarde pas. Mais je sais, mais je demande aux gens, tu vois. Peut-être qu'ils le disent déjà, mais comme tu regardes la course. Ouais, mais c'est parce que là, je suis pas tranquille, tout seul. Y a pas de ligne droite. Mince, j'ai raté. Coucou, je suis juste derrière toi, regarde, là, je vais jeter une carapace, tu vas voir. Mais prends pas mon inspiration. Vous êtes en 50 CC? Eh oui. Bah ouais. Pas de soucis, Milu. Régression par rapport à la version Wii U, blablabla. Quand tu... Pas de soucis, tout est bon. Alors oui, bon, voilà, c'est bon, j'ai trouvé le truc. Qui faisait sauter le stream? Je crois. Eh, hey, grâce à la télé, en fait, on est illuminé. Aussi. Ah, non, parce qu'en fait, là, on a des étagères maintenant. Et du coup, la lumière, elle est cachée. Sans blague, t'as des étagères. Et ah, j'aime bien cette course. Oui, et du coup, bah, c'était tout sombre avant qu'on lance le jeu, le stream. Mais la télé, elle fait plein de lumière. Je l'ai activé, effectivement. C'est un Inkling Boy devant moi. Oh, regarde ça. Oh là là. Quelle déception. Est-ce qu'il va foncer dedans? Mais oui. Puis du coup, je regarde ton écran. Ah, regarde, des moments forts de ce truc là. Alors tout d'abord, nous avons Inkling Girl. Ah regarde, oui, regarde là, c'est moi là. Bam bam bam. Bien joué. Regarde là, c'est toujours K-Rex. Elle est trop forte. Ah non, il monte que mes images à moi en fait. Je crois. Que toi qui es trop cool. Ah non, c'est toi qui monte là. Bah normalement, c'est censé, enfin non, ouais. Il montrait les deux. Je sais pas. Trop bien, on a gagné la coupe en or. T'as vu, on a une étoile tous les deux. Mais il en faut pas genre 3. Ouais, si tu veux faire le kikou, mais... Ouais, mais non, mais du coup, on était trop nuls. Mais oui, mais c'est parce qu'on gagne... Il faudrait qu'il y en ait qu'un seul qui gagne pour que ça fasse ça. Mais c'est bien une étoile, parce que j'aime pas trop avoir 3 étoiles, parce qu'après, les gens, ils focus. Ah. Oups. J'ai jeté ma banane, du coup, à force de spammer. Ça dit pas mamémi. Mamémi. Je sais pas s'il y a un snacking à McDo, désolé. Mireille, la connexion internet est une grande histoire d'amour. Ah, alors, mais vous connaissez pas. Vous connaissez pas mon passé. Vous connaissez pas la petite Mireille. Moi je la connais. et je me moquais tout le temps d'elle. C'est sûr que. Alors, déjà, sachez que j'habitais.
tout le temps dans les champs. Mes parents, ils avaient une passion pour les maisons isolées au milieu des champs. Du coup, j'avais pas internet. C'était genre très très bas débit. Je viens de comprendre la blague du snacking et de McDo, purée, je suis lent. Ah, mais je me disais, pourquoi il dit ça? Il a pas compris la blague ou quoi? Bref, et du coup, je mettais genre 6 heures pour télécharger 1 gigaoctet, un truc comme ça. Oui, c'était ça. C'était terrible. Moi, j'avais le temps de tout préparer. À chaque fois que je voulais télécharger un MMO, je mettais 3 jours. Alors, du coup, avec Milu, il fallait qu'on s'y prenne à l'avance pour préparer les sessions. Et puis, le pire, c'est que déjà, j'avais pas internet. Et puis, ma mère, elle arrêtait pas de m'appeler. Genre, viens mettre la table et tout. Alors, du coup, on partait faire des raids. Et moi, j'étais là, bon, bah finalement, je peux pas venir. Ah non, mais le truc le plus triste, c'était un moment où on était tous les deux. On était avec des gars qui étaient quand même assez forts dans le MMO. Et qui nous avaient proposé de rejoindre leur groupe pour aller affronter des mobs de fin de jeu. Enfin, qui venaient juste d'être ajoutés. Ils voulaient les essayer. Alors moi j'étais émue, j'étais là, waouh, je suis bas niveau, ils veulent bien que je vienne avec eux, et puis là. et puis toi, voilà, t'as pas pu partir. Alors déjà, c'était trop triste parce qu'on était que trois du coup. Je vous suivais, mais je vous assure que je vous voyais vous téléporter tout le temps parce que du coup c'était dur de suivre. Oui, au début t'arrivais, t'étais quand même là encore. J'étais là, mais je vous voyais en téléportation. Moi j'étais là, purée, je vais réussir à les suivre. Et puis il y a ma mère, elle est là. Il faut qu'on fasse à manger tout ça. Et moi j'étais là, non. Ah non, mais c'est sûr que voilà. Hein. Ton histoire est triste quand même. Mais non, elle est pas triste, c'est rigolo. Ok, mon histoire est triste. Ah non, mais je sais pas combien j'avais de ping, mais des fois je crois que je m'amusais à faire des ping pour rigoler sur IRC. Je recevais pas le pong. Ça servait à rien. Bon, après, ah non, mais j'avais beaucoup de patience du coup, parce que quand je voulais me balader sur internet, c'était très long. Non! Bon, j'ai menti finalement. Non. Je suis un quad et pitié. Lo, si tu devais rejouer à World of Warcraft avec ta vieille connexion aujourd'hui, tu serais en PLS 40 gigaoctets. Non mais c'était mort. Ragnarok Online, c'est le seul MMO auquel j'ai joué personnellement. Ma question, est-ce que vous avez été content que les Inklings apparaissent dans un jeu Mario? 4e fois que je spam. 4e fois que je spam. Désolé de pas pouvoir lire. Franchement, c'est toi qui aurais dû avoir ce klaxon avec ton Inkling des ténèbres, là. Tu veux que je fasse pala? Mais oui, regarde, moi j'ai un klaxon des ténèbres. Pala. Mais non, ça veut dire tala. Ah, oui, non, tintin. Oui, c'est bien. C'est exactement ça. Non, moi j'aime beaucoup, c'est le moment où on sort de l'eau et ça fait pouin avec les guitares. Les guitares. Pouin. Oui, les guitares elles font pouin. On peut pas changer l'item? Non, j'ai pas trouvé. J'ai essayé d'appuyer sur plein de boutons et. Mais non, j'avais un champignon. Mais j'osais pas l'utiliser parce que. Ah, mais je fais des sons trop bas depuis que je suis devenu minimum ami. Ah, c'est bon, je peux reparler avec une voix normale. Je suis devenu minimum ami. Mais c'est pas vrai! Pourquoi je me prends tout le temps des carapaces rouges? Mais non, mais j'avais un champignon! Non, mais y'a quelqu'un qui t'a doublé! Attends! C'est qui t'a doublé? C'est Morton! Non, c'est pas Morton! C'est Roy! Je suis tellement honte! Non, je peux plus parler comme ça. Il va voir de quel bois je me chauffe, il va tout se prendre dans la tête, oui. Tiens, prends ça. Purée, j'ai eu des champignons. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un bout? Bout, ça sert même... Mais pourquoi c'est à moi qu'on vole les items? Tu m'as donné une banane, tu crois que c'est bon? Je sais pas pourquoi ce circuit, je l'affilie à Adripix. Adripix, je l'affilie à dans ma team. Oui, aussi. Ah, c'était beau.
Puis là, tu vas voir, Adripix va dire, je déteste ce niveau. Qu'est-ce il que dit, tu... d'accord, déjà, tu vois, il est là, quoi. Qu'est-ce qu'elle dit, Irae? Elle est folle. Attends, j'en ai d'autres encore des comme ça. Adripix, tu vois, qu'est-ce qui t'inspire, Adripix? Les boîtes de nuit. Ah, ça doit être le côté Ultimate Night Form, tu vois. Ah ouais, t'en as d'autres, et ben j'ai hâte de savoir le reste. Bien, je trouve que Roy est un personnage qui irait bien à Adripix. Je sais pas pourquoi je me dis pareil. Non mais c'est normal, c'est comme ça. Va-t'en, Bilbo. Je sais pas c'est quoi notre problème avec Adripix. Non mais c'est bon, tu vois, on pense pareil, donc c'est comme Roy, ça. Roy, et puis là tu vois, Adripix, je déteste Roy, c'est quoi votre problème? Vous êtes fous? Oui. Non mais on a des problèmes des fois. Ça prend un peu en purée. Autorisez-moi, mais c'est bon, je m'en fiche. Tu peux même pas, c'est même pas logique parce qu'on a joué avec un gars, il a joué Roy pendant toute une session entière avec nous, on devrait plus s'affilier à cette personne, Roy, non, Adripix. Mais j'arrive même plus à savoir. Et si tu veux, si tu veux que je continue, bah, il y a Ludwig, c'est Livol. Ouais, non, mais là. Là, c'est pas drôle. Non, je rigole, mais. Mais lui, Livol a déjà joué avec. Ah, il m'a volé! Avec Ludwig. Avec Bitov. Avec Bitov. Vous avez l'air fatigué. Non, mais j'ai pas réussi à dormir la nuit dernière, donc je dois vous avouer que je suis réveillée depuis 8h du matin. Tu m'as humilié, genre humiliation ultimate form. Je vais pleurer d'issue, je reviens. J'ai pas dit ultimate night. Ok. Oui, il y a le système de Nemesis dans ce jeu. Par exemple, les Nemesis de Mario sont Peach et Bowser. Wouah, non mais j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'ai eu que 46 points. 48. Du coup, je sais pas si Adripix il a dit avec. Il a dit avec quel personnage il jouait dans les Mario Kart. Du coup, vous suivez la logique des filles avec les cheveux roses. Et vous êtes des tsundere. Bah, hein, on était des tsundere. Ah. On était des tsundere entre nous, tu vois. Ah, plus pour ça. Enfin, je joue avec. Tu crois que je vais réussir à garder mon champignon jusqu'à la feuille? Bah, ouais, pourquoi tu y arriveras pas? À cause des éclairs! Oui, je... Voilà! Non, que mais j'assure c'est le malheur. Dingue! Ah, non, mais c'est dingue! Oh purée, il y a des bananes partout! Bah, ça doit être moi, je pense. Il n'y a pas photo là. Eh, on s'est pas encore pris un nez. Ne dois pas prononcer son nom. C'est exactement ce qui est arrivé la dernière fois. Ah, j'ai raté. J'espère que tu aimes bien ce concours de circonstances. Purée, tu fais de ces zigzags, c'est assez impressionnant. Je récupère les pièces. Qu'est-ce que tu penses du fait que quand on est petit, là, on est là genre, ouais, c'est trop bien, Sonic Riders, Green Forest, trop bien, puis tu rejoues au jeu, ah là là, c'est trop nul, Green Forest, en fait. Alors déjà, quand j'étais petite, j'aimais pas Riders, donc du coup, je pourrais non, pas... Non, mais je parle pas nécessairement de Sonic Riders. Comment ça se fait que t'aimais pas Sonic Riders? Parce que j'arrivais pas à y jouer. Comment? J'arrivais pas à y jouer. Sérieux? J'arrivais pas à comprendre les boutons pour avancer et tout. Sérieux? Oui. Comment ça se fait? Ben, je sais pas. Du coup, ça m'énervait. Non, pas l'air. Ah, purée, je me suis dit, est-ce que ça va marcher? Mais ça a marché. Bah, peut-être qu'on m'entend moins bien parce que je suis au fond du canapé et pas Milu, je ne sais pas. Mais non, j'ai que 51 points, j'aurais pas des toi.
C'est moi qui ai que 51 points. Ah, ok. Parce que tu sais, tu m'as mangé ma première place. Oui, oui, pardon. Oh, il y a même un tampon Inkling. Oui, il y en a un. Question existentielle, ramen ou spaghetti? Alors, t'es prêt pour la prochaine course? Okay, oui, mais je suis en train de là, on est en train de parler de nourriture et on a quoi à manger demain? Alors, on a des choux-fleurs. Oh, purée, c'est vrai. Vas-y, je vais jouer avec ça. Sinon, on a des boudins blancs. Oh, purée, j'ai pas envie de manger du boudin non plus. Il reste de la salade. Oui, non, mais ça, je sais, mais c'est pour demain soir. Tiens, voilà du boudin. Du poisson pané. Ah, oui. Faut pas rire. Désolé. Y'a rien de drôle. Mais si. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Les commentaires d'Adripix. Qui est ton zombie préféré? Mais aucun! Cette question va être limite plus posée que c'est quoi votre Sonic préféré, Livol? Ah. Oh. Pourquoi Livol King est survu dans l'eau d'ailleurs? c'est comment qu'on sait que vous avez fini la course? C'est au moment où. C'est le moment où. Où on arrive dans le monde de The Windwalker, c'est ce moment-là qu'on finit la course. Ok. Je sais pas si t'as joué. Non, mais toi t'as pas trop. Alors j'avais pas Mario Kart 64, j'avais Diddy Kong Racing. Y'a jamais de pièces dans ce niveau. Comment ça se fait que t'en as 10 toi? Oh. Qui a fait ça? D'où elle sort? C'est une chanson des Beatles. Ah. Sky is blue and sea is green. Mais non. Mais si. C'est trop nul. Je pensais pas que tu le ferais sérieusement. We are living in a submarine. Est-ce que c'est la chanson la plus connue des Beatles au final? Non. Je sais pas moi, à chaque fois que tu demandes à quelqu'un de chanter une chanson des Beatles, c'est ils chantent ça. Normal, elle est trop cool celle-là. Ah ouais, alors c'est quoi la chanson la plus connue des Beatles? Bah le problème c'est qu'en fait j'ai peur de dire des bêtises du genre en fait non ça c'était une musique de monsieur en solo et puis finalement c'est pas ça. C'est sinon je sais qu'il y a Lucy in the Sky with the Diamonds qui est très populaire. Quoi c'est pas la musique de des Philip Sony ça? Ma vie est un mensonge, je vais jeter tes bombes. Il y a une chanson qui me faisait rire parce qu'il y avait des paroles en française. En français, pardon. En française. Ça faisait... La vie faisait... est belle. Non, le vent se lève. Non, mais c'est un truc comme ça. C'était Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble. Mais avec l'accent anglais, tu vois. Michel. Oui, c'est ça. Michel. Tiens, Meurbou, non. Mais non, il n'existe pas. Vous êtes sérieux? Mais non, non. Alors moi je me suis pris l'éclair et je suis tombé. Moi je me suis pris l'éclair, ce qui m'a fait tomber. Il est trop cool le panneau de la qui tue. Ah, tu veux le même? Non. Mais non mais il est sérieux Bou là, genre oh oui non mais tiens t'obtiens. Mais non mais vous êtes sérieux là? Mais vous avez pas le droit là. Mais c'est quoi ça? C'est pour que je gagne. Pourquoi tu veux gagner? Parce que. Oh, ok. Mais tu peux pas gagner contre moi, j'ai une moto. Connaissez-vous des chanteurs québécois? Non. Oui, si, comment elle s'appelle? Ah oui, si. Ouais. Ok. Mylène Farmer. Mais non. Céline Dion. En plus, mon cerveau, il était là. Dis pas Mylène Farmer, dis pas Mylène. Mais elle habite au Canada, c'est bon, elle est québécoise. Donc. Et puis toi tu le dis, alors moi j'étais là, mais non. C'est la chanteuse préférée de Piccolo. Mario Kart de balle dash. Alors là je pourrais être méchant et faire ça. Pourquoi ça marche? Alors je suis désolé. Est-ce que tu es salé? Oh, je suis pas salé, hein, mais je vais te griller au barbecue, tu vas voir ce que tu vas voir, ce que tu vas voir, ce que tu vas voir. Ah, j'espère que ce sera avec du charbon. Mais je suis que de la peinture. Toi aussi? Bon, c'est pas très bon. Mais non!
Ils veulent pas me faire ma vengeance. Parce que tu veux te venger. Oui. Et tu vas me faire quoi? Me jeter une banane dessus? Bah j'attends de voir ce que le RNG me propose. Le RNG me propose de t'envoyer une banane, effectivement. Bah écoute, mais non, mais jamais de la vie je dis ça. Mais non, mais je peux toujours pas faire ma vengeance. Oh mais non, mais en plus t'as bientôt fini. Je me suis pris ma propre boule de feu. Ça ne sert plus à rien de vivre. J'ai plus de pièces. C'est pas grave, tu pourras faire ta vengeance. D'ailleurs, il faut dire Tanuki ou Tanuki? Tanuki. Bah, Mario, il dit Tanuki. Mais sinon, c'est Tanuki. Non, Tanuki. Oui, mais en non, réalité, non, c'est mais, Tanuki. Non, mais en réalité, c'est Tanuki. Mario, il sait la Tanuki. Même. Tanuki-san. Mais du coup, tu fais quoi? Ma vengeance. Mais t'es sérieuse? Bon, j'ai pas de chance pour l'instant, mais... Ah c'est bon, tu m'as ajouté une carapace bleue, là, non? Non. Non, c'est pas toi. Je m'en fiche des ordi, arrêtez-moi. T'es pas une pro de la vengeance, toi. Hein. J'ai pas de chance. Ça se voit, hein. On voit que tu n'as pas été entraîné depuis le début. Moi, je suis un pro de la vengeance, tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai le pouvoir du hack sur ma Mario Kart Wii. Mais vous êtes sérieux? Crée, alors mets du temps à arriver ta carapace bleue, c'était toi ça? Non, je me suis pris la propre carapace bleue! Ah non, mais c'est génial! Ah non, mais c'est génial! T'es pas faite pour être méchante. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es pas faite pour être méchante. You can't win. Huitième, c'est dernier. Dans les Mario Kart classiques. Ouais, donc t'es dernière, tu me déçois. Ça va, ça va. Je suis pas moins que dernière, tu vois. Bah si, t'es dernière, justement. Non mais moins que dernière. Tu peux pas être moins que dernière, ça existe pas. Bah si, c'est 9, 10, 11, 12. Ça existe pas. Bah oui, ça existe pas. Bah, donc c'est moins dernière. Que dernière. Ah, c'était pas fini. Je croyais que c'était le dernier. C'est la troisième course. Bah oui. Est-ce que moi j'ai déjà eu de la rancœur envers quelqu'un? Tout. Alors là. Je trouve que mon Arlala, alors là, ça fait un peu le début du thème de Nightmare. J'avais deux champignons et je les préparais pour ici, pour doubler mon élu. J'ai rigorglé. Allez, la coupe. Ah oui, non, ok. Allez. Tanuki. Mais non! À gauche, là. Ouais, y'a un truc. Tu voles! Ok, moi j'étais trop. Et ensuite, tu te prends le. Attends, quoi? Je suis remonté quand même? Tu regardes ton perso, et puis du coup, je fais n'importe quoi. Puis ensuite, tu fonces dans le mur, mais ça va. Mais en fait, je crois que c'est parce qu'on est en 50 CC, alors c'est rapide. C'est pas rapide, du coup. J'espère que sur les coupes, y'a les Inklings. J'espère que sur les coupes, y'a les Inklings. Non, j'avoue, on gagne pas les tampons. Ah, mais y'a pas Amiverse en bah fait. Non, y'a pas Amiverse. Du coup, y'a pas de tampons en fait. Trop bien. Voilà, tu as fini Mario Kart 8. Bon, bah, j'espère que ce jeu il t'a plu. J'espère qu'on verra les Inklings dans les crédits. J'avoue. Mais là, c'est les mêmes crédits que. Ah, y'a Mario, y'a Peach. Y'a Luigi. Y'a Yoshi. Il y a des... Hein? J'avoue, on l'a jamais affronté en plus. Non! Mais non, mais... Elle n'existe pas! Il y a Yoshi! Ah, tu vois, il est là, ton twad. Regarde, on a jamais... T'as vu, la moto Yoshi, elle fait la petite pose. Mais elle est trop cool, la moto Yoshi.
Ah, mais je viens de comprendre, en fait, c'est censé représenter le Yoshi de Mario Galaxy. C'est Koopa. Non, j'ai dit Yoshi. Regarde, là, c'est Boss World qui nous écrit. Oui, à Tonnerre. À Tonnerre, c'est Boss World. Mais viens, viens regarder la fin du stream avec moi. Pourquoi tu hésites? Viens. Merci. Non, ben voilà. Donc, désolé, apparemment, il n'y a pas d'Inkling, il n'y a pas les personnages. Non, mais c'est les mêmes crédits que... C'est trop nul, alors. On les a déjà vus, ceux-là. Bonjour, à Tonnerre, comment vas-tu? Mais si, il y a Mario Tanuki. Donc peut-être... J'avoue. Donc, il y a bébé Luigi. Hein, bébé Luigi. Bébé Luigi number one. Regarde, regarde, c'est un autre bébé encore, mais on sait pas de qui. Inconnu. Bébé pêche. Mascas. Toadette. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui disent Toadette? Bah j'espère que non. Oh, Wario, il a pas de respect. Est-ce que la tenue ressemble à Wario? Non. Ah, voilà, villageoise. Ah. Plus mignonne. Du groupe. Voici Harmony. Voici voilà Mario. Mario. Voilà, parce que hein, Mario. Ils sont longs les crédits. Moi je suis triste qu'il n'y ait pas à Tonnerre dans les crédits. Mais si, il est là. C'est... Moi, je sais pas si on le voit, mais au moins il est là. On devrait si voir sa queue au moins, je suppose. Regarde, c'est ton Inkling préféré. Ton compagnon préféré. Ah. C'est lui, c'est le poireau. Mais non, c'est Ludwig, mon pire ennemi, du coup, bah, c'est aussi mon préféré, parce que, tu vois, la rivalité, ça augmente l'adrénaline. Eh, on l'a jamais eu, Ludwig, là, je crois. Bah, du coup, oui, j'avais pas mon ennemi. Tu joues qui, d'habitude, Harmony et... Oui. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, en fait, c'est Harmony, elle fait popler Ludwig en masse, c'est ça? Je suppose. Bon, bah, voilà. Ah, voilà. Dry Bowser, elle est cool, la moto de Dry Bowser. Voici Harmony. Ah voilà, c'est cette moto que j'aime bien. Oui, oui. Mais on l'a pas encore débloquée, du coup. C'est la moto mâche. Mais j'ai hâte d'essayer la moto missile, quand même. C'est quoi, la moto missile? Bah, le missile tornade. Ah! Je vois, je vois. Mais regarde, c'est... Purée, ils ont même pas montré le vrai Inkling. Ils ont montré le faux. Voilà, ils montrent le faux. Mais il y avait la vraie avec. Mais oui, mais on la voit, c'est pas la centrée, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais c'est parce qu'on la voit déjà assez partout. Il y avait même pas l'Inkling verte. Mario a perdu la course. J'espère qu'il est pas trop triste. Voilà, Mario Kart avec Deluxe, c'est la fin du stream, merci à vous. On le voit en entier, t'inquiète, voilà, c'est la fin du stream, merci attends, à vous d'être venu. On va voir, peut-être qu'on va gagner un cadeau quand même. Non, on a gagné l'écran noir. Voilà, il est beau ton cadeau. Merci, merci. Au revoir. Bye bye.